Année après année, la technologie investit le monde de l'éducation. Robotique, tablettes numériques. Aux quatre coins du monde, les professeurs renouvellent leurs outils éducatifs afin de transmettre leur savoir de la manière la plus efficace qui soit. Dans les salles de classe, les tableaux noirs Akai laissent petit à petit place aux ordinateurs et aux tablettes numériques. Mais l'histoire ne fait que commencer, puisqu'à la fin de l'année 2016, la réalité virtuelle a commencé à se démocratiser et gagner le grand public. Cette hausse de popularité est notamment liée aux nombreux casques RV disponibles sur le marché. Oculus VR, Google, Samsung, HTC et bientôt Microsoft, autant de grandes marques qui proposent à tout à chacun d'expérimenter la réalité virtuelle. Preuve que nous assistons à l'aube d'une nouvelle révolution technologique qui changera le monde à tout jamais. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de cette vague afin de joindre l'utile à l'agréable. En début de l'année 2017, l'Université de Bordeaux a exprimé sa volonté de développer une plateforme d'apprentissage à distance. À la base, cette plateforme était supposée proposer des cours classiques en format numérique associés à un forum ou autre application de chat instantané. Aujourd'hui, en coopération avec l'Université de Bordeaux 1, l'Association Robotique de Bordeaux et sa région a l'intention d'introduire la réalité virtuelle au monde éducatif et de révolutionner le monde de l'apprentissage à distance. En effet, la technologie nous permet aujourd'hui d'enregistrer tous les cours dispensés à l'université via des caméras 360 placées au centre de la classe et de les rediffuser en direct sur une plateforme afin que les étudiants puissent les visionner en se servant uniquement de leur smartphone et d'un casque VR. Cette combinaison donnera l'impression aux étudiants d'être réellement en classe puisqu'ils seront immergés dans ce monde virtuel et qu'ils pourront assister aux moindres détails de l'intervention. Et grâce à l'impression 3D, ce projet est devenu tout à fait réalisable d'un point de vue économique et coûtera moins cher que les polycopiés, sans oublier l'impact environnemental que cela aura à long terme. À l'Université de Bordeaux, on a pris l'initiative et on s'est muni d'un casque Oculus et on commence petit à petit à familiariser les étudiants avec cette technologie. Et la réaction de ces derniers fut la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, nous souhaitons faire partie des pionniers du monde de la réalité virtuelle en offrant aux étudiants une expérience éducative exceptionnelle. Le futur est entre nos mains. À nous de jouer.